Donc Equalishi, ça a pour but de lutter et de sensibiliser contre les inégalités hommes-femmes, mais on agit aussi au niveau des hommes. Donc chaque année, on organise une collecte de protection hygiénique et on célèbre bien évidemment la Journée internationale des droits des femmes et la Journée de l'homme. Et cette année, on va faire un voyage en Europe pour aider et sensibiliser les femmes en situation de précarité. Donc deux, comme le nombre de distributeurs de protection hygiénique qu'on vient d'installer à l'EDEC. 18 000, c'est le nombre de serviettes qu'on a eu l'année dernière grâce à un don de Nana. Donc on a pu aider pendant un an 78 femmes. Et 19, comme le nombre de personnes dans mon association dont je suis très fier de faire partie et de les aider tous les jours et de les manager. Donc cette photo, elle représente toute l'équipe quand c'était l'événement de Lueur Élégance, la boucle rose. Donc c'était un événement super sympa et c'était agréable de célébrer ça avec tous les decks. Donc cette photo, elle représente un distributeur qu'on a mis au sein de les decks. C'est un de nos plus gros accomplissements dont on est super content d'avoir mis ça et vous pouvez en retrouver deux au sein de les decks. Donc cette photo, elle représente notre dernière collecte de protection hygiénique qu'on organise chaque année en mi-mars. N'hésitez pas à venir et faire des dons, on compte sur vous. Donc notre association elle a un impact positif au sein et en dehors de l'EDEC. On essaye de changer les mentalités par rapport à ça. On est une asso engagée et on compte sur vous pour nous aider à changer le monde.